Pouvez-vous imaginer un monde sans culture? Pour l'équipe du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau, c'est impensable. Le Centre d'action culturelle est un organisme à but non lucratif, reconnu comme organisme de bienfaisance, qui a pour mission d'offrir et de promouvoir des activités dans le domaine culturel dans la MRC de Papineau. Depuis 2007, le Centre œuvre à rendre l'art accessible dans la région de la Petite Nation auprès de différents publics. Il met aussi en valeur le rôle des artistes dans la société. Le Centre d'action culturelle, c'est un endroit vivant, dynamique, inspirant. Inclusif et ouvert, le Centre d'action culturelle offre une panoplie d'activités tout au long de l'année. Le Centre d'action culturelle vous offre 6 expositions par année avec des artistes professionnels et en émergence. Femmes Expo, c'est l'événement annuel qui célèbre la Journée internationale des femmes au mois de mars. C'est d'abord une exposition collective qui réunit les œuvres d'une quarantaine de femmes artistes et c'est aussi d'autres activités culturelles axées sur la situation des femmes. Le Symposium d'art in situ, c'est un événement qui rassemble de 7 à 9 artistes professionnels pour créer en plein air, devant public, des œuvres d'art durables au cœur de noyaux villageois. Le Festin de livre est un événement annuel qui célèbre les plaisirs des mots et de la lecture. C'est un événement qui est autant fait pour les jeunes que pour le grand public, en proposant par exemple un espace exposant, un espace livre usagé, un espace salon pour les enfants et plein d'activités année après année. Les livres libres, quel projet communautaire extraordinaire! Chaque livre est unique. Chaque personne y appose soit un texte, soit un dessin, soit des tissus. En fin de compte, chaque personne crée à son image quelque chose de magnifique. Les livres libres sont également associés aux ateliers libres qui sont offerts en milieu scolaire par le biais de capsules vidéo animées par des artistes professionnels qui vont guider les élèves dans leur réalisation des livres libres. Le Centre d'action culturelle est membre du répertoire Culture-Éducation du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le Centre propose aussi un tas d'activités, comme des visites d'exposition, des jeux questionnaires, des activités de médiation culturelle, un concours d'écriture, les ateliers libres, les livres libres et aussi des visites au festin de livres, ainsi que l'accueil dans les classes de certains artistes. Ces activités s'adressent bien sûr aux enseignantes et aux enseignants de niveau primaire et secondaire de tout le territoire de la MRC de Papineau et de l'ensemble du Québec. Le Centre d'action culturelle offre tout au long de l'année des ateliers pour le jeune et le grand public. Il y a les ateliers exploratoires qui souhaitent inspirer l'artiste en vous tout en expérimentant différentes disciplines artistiques auprès d'artistes professionnels. Il y a aussi les ateliers de perfectionnement et de découverte qui sont offertes en collaboration avec Culture Outaouais et Emploi Québec. Et finalement, il y a les ateliers jeunes publics qui sont offerts à l'été. Le Centre embauche une étudiante ou un étudiant pour concevoir et animer des ateliers artistiques amusants auprès des jeunes dans les camps de jour des municipalités de la MRC de Papineau. Le Centre a présenté pour la première fois en 2021 sa première programmation de spectacle intitulée « L'art prend l'air en petite nation », qui veut permettre aux citoyens et citoyennes de profiter de plein de spectacles de différentes disciplines artistiques en art vivant, et ce, dans plusieurs municipalités de la MRC de Papineau. Tout au long de l'année, le Centre offre une vitrine à ses artistes membres dans la boutique La Fouinerie. Avant les fêtes de Noël, la boutique se transforme en un événement appelé « Petit format, gros cadeau », un incontournable pour trouver des cadeaux originaux et uniques faits par des artistes d'ici et du Québec. En plus des activités régulières qu'il propose, le Centre organise à l'occasion des activités ponctuelles comme des lancements ou des conférences et il participe aussi aux Journées de la culture. Un monde sans culture? Certainement pas. Dans la MRC de Papineau, on peut compter sur toutes les activités offertes par le Centre d'action culturelle pour vivre en art et en culture.